qui a besoin de bouger chez toi, c'est... Alors, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? T'as pas besoin de l'aval des autres pour te trouver beau. T'as pas besoin de l'aval des autres, de la permission des autres pour être... Pour te... Ouais, pour être beau. Je réitère la parole parce que c'est ça qui sort. Tu recherches un consensus constant, quelque part. T'essayes de faire en sorte que tout le monde soit satisfait alors que c'est pas possible. Et à un moment donné, il va falloir redescendre de cette espèce de bulle illusoire où tout le monde peut être égaux parce que tout le monde n'est pas égaux. On a chacun des paramètres de base, on a tous les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes façons d'y subvenir. Et on n'a pas les mêmes talents, on n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes peurs. Et en gros, apprends à jouer avec les faiblesses de l'autre, comme avec leurs forces. Apprends à jouer avec les tiennes, tes faiblesses comme tes forces. Parce que la vie est un puzzle. Et c'est comme ça que tu vas arriver à tes buts. Tu ne vas pas engager quelqu'un. Bah tiens, pour faire du montage vidéo, si la personne n'a jamais touché un PC de sa vie, on est d'accord. Toi, tu es un peu dans cette dynamique-là. Parce que la personne, parce que tu as bon cœur, tu penses que tout le monde a sa place dans ta vie. Ce n'est pas le cas. Ce n'est définitivement pas le cas. Pour le groupe, ça renvoie bah, la même chose en fait. C'est à nous. C'est notre regard, c'est nos besoins du moment qui décident quelle personne on va avoir dans sa vie. Autant notre regard conscient que notre regard inconscient. Autant nos besoins conscients que nos besoins inconscients. On a des besoins et on va y subvenir consciemment. Et derrière, on va simultanément aller compléter la pièce manquante de ce besoin-là. Et de temps en temps, mettre un... Non, ok, je ne vais pas dire ça comme ça. Ok. On est tendu par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur, parce qu'on se demande est-ce que les autres sont réellement fiables pour nous. Et donc, on ne prend pas décision par rapport à ça, parce que... Les autres ne sont pas forcément fiables à nos yeux. Voilà ce qui avait besoin de se révéler ce soir. Merci Loïc.